Focus Manga. Alors aujourd'hui, je vais vous présenter le premier tome de Darwin's Game. J'ai découvert ce premier tome, en tout cas le premier chapitre, dans le tome 3 de King's Game Extreme. Avec le tome 3, ils vendaient une petite démo. Ce tome est sorti aux éditions Kiwoon le 28 août 2014. Donc cette série est très très bien. En tout cas, ce premier tome est superbe. Niveau graphique, c'est super beau. Bon, on va passer à la partie synopsis. Alors, la vie de Kaname Sudo bascule le jour où ces quelques mots a priori inoffensifs s'affichent sur son portable. Il a le malheur d'accepter l'invitation. Aussitôt mordu au cou par un serpent virtuel surgit de l'écran, il est désormais l'esclave d'un jeu impitoyable, le Darwin's Game. Véritable arène où les joueurs sont interconnectés via un réseau social, s'affrontant dans des duels à mort. Très vite, le lycéen doit se rendre à l'évidence. Même s'il essaie de se soustraire au jeu, ses adversaires, attirés par l'appât du gain et le frisson du combat, sont prêts à tout pour le retrouver. Entre Gantz et Battle Royale, un jeu de mort implacable sur fond de bataille urbaine 2.0. Bon, passons à la partie mon avis. Alors, mon avis, c'est que c'est très bien réalisé, premièrement. C'est un peu gore, c'est du seinen. C'est du seinen, on voit très bien, c'est du kyun seinen, c'est pas un shonen. C'est un peu fort, les scènes sont un peu fortes des fois. Bon, bah, ce que j'en ai pensé, c'est qu'il est très bien, je vous le conseille. Pour ceux qui aiment Hunger Games, Gantz, Betum, etc., etc., les jeux de mort, les jeux de... Voilà, quoi. C'est fait pour vous. Bon, on se retrouve dans une nouvelle vidéo, et je vais vous remontrer un nouveau manga.